Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le petit Limousin. Et aujourd'hui, alors avant d'attaquer la vidéo du jour, fallait que je montre un truc que je devais montrer déjà samedi, je crois que j'ai oublié. Donc, je suis désolé. Donc, la production de carton, c'est tout au-dessus à droite de la map, c'est ici. Donc, on va y aller vite fait, hein. La production de carton, c'est là, voilà, dans ce bâtiment-là. Tout simplement, il suffit de faire le tour et de rentrer par la petite porte. Tout simplement qui est ici. Après, vous ouvrez les grosses portes depuis le dedans. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, on va remettre en route le mode, enfin le mode, la donne crone plutôt. Et du coup, je vais le placer tout en bas de la map puisque c'est le plus près, en tout cas pour moi. Je vais essayer de faire ça propre. J'ai taffé un peu ce week-end, hein, donc je pense que vous avez pu vous apercevoir que j'ai fait pas mal de missions. Je suis à 583 000, c'est déjà pas mal. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer bah, déjà l'usine, là. Allez, roule ma poule. Comment je vais la placer cette cocotte? Parce que je ne me rappelle plus la gueule qu'elle a. C'est dans l'autre sens. Il faut tourner, je crois. Ouais, c'est ça. Pour avoir l'entrée. Mais est-ce qu'il va falloir une rampe aussi pour pouvoir y monter? Parce que là, ça va être un peu mon problème. Donc, attends. Je vais faire autrement. Alors, pour être sûr de mon coup. Hop. Voilà. Pas faire le con Maurice. Et on recommence. Allez, ma poule, 2 heures après là. Et on va placer ça. Si ça va pas, je fais une coupure vite fait et on recommence. Et je ferai autrement, hein, tout simplement, puisque je ne vais pas avoir le choix. Vas-y, pose ça au maximum. Voilà. Est-ce que c'est bon? Eh ben, ça m'a l'air d'être bon, monsieur, dame. C'est propre, hein? On a placé ça à peu près proprement. Donc voilà, je pense que... Ah non, à peu près, j'allais dire. Mais bon, il y a les... Bon, allez, c'est pas grave, on s'en fout. Je sais pas si tout le monde parmi vous connaît le... connaît la chose. Connaît le... Comment ça s'appelle? Cette usine-là. J'ai des vagues souvenirs parce que j'ai juste présenté. Et après, je me rappelle plus de ce que j'ai foutu avec. Et du coup, je voulais racheter un tracteur, j'ai 183 000, je suis dans la merde, on verra bien. Et du coup, on verra bien comment ça refonctionne, parce que je ne me rappelle plus du tout. Je voulais placer un bâtiment pour ranger du bordel dessous, mais là, une fois que j'aurai acheté la presse, donc on va faire, je pense, les deux façons différentes de s'occuper de ça. Aujourd'hui, je pense que je vais rester dans celle qui garde les copeaux, donc ça doit être celle-ci. Mais ouais, j'ai pas de sous. J'ai pas de sous, Maurice. Celle-là, c'est combien? Et puis, c'est quoi ça? 8200. Donc, c'est celle qui garde. Ok. Et celle-ci aussi. Donc, je vais être obligé de rester sur de la presse basique. Ah, je pensais que j'allais avoir assez. Maintenant, j'ai. Ah, pardon. Je vais pas avoir assez. Je pourrais presque basculer sur la sur celle-ci. Ah, ça me tente. Hein, ça me tente. Ça me tente. Mais du coup, je vais racheter la presse carrée. Je vais vendre la ronde. Hop. En espérant que ça fonctionne avec la carrée, mais normalement je crois qu'il ne doit pas y avoir trop de problèmes. C'est que j'ai mis le T7, il est là. Je vais vendre la ronde, je vais prendre la carrée, et puis on va essayer de tourner comme ça. Ah, j'aurais bien voulu faire autrement. Ah, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine, ça m'enquiquine. Hop. Et il y avait du bordel dedans. Ah, oh, c'est du foin. Je me suis pas remis au foin depuis. Allez, c'est parti mon kiki. Donc voilà, ça va se passer en plusieurs étapes, je pense, pour la Donne Crone, parce qu'il y a quand même un truc, je vais pas dire assez conséquent, mais il y en a pour un petit moment. Donc on va être obligé de faire du pressage, hein, bien entendu. Ensuite, il va falloir qu'on aille poser les bottes là-bas. Je sais plus du tout comment que ça se passe, là, ce machin-là. On va voir, on va voir, on va voir. Je vais faire une botte. D'ailleurs, j'aurais pu prendre le télescopique comme un imbécile que je suis, puisque le pic il est là-haut au magasin que j'ai toujours pas enlevé d'ailleurs. GG Wellplay. Je vais essayer de faire avec une botte juste comme ça, histoire de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, ce que je ferai, soit je recommence la vidéo, soit je fais une énorme coupure le temps de retravailler un petit peu pour l'émission. Hein. Et puis on se retrouve après, mais ouais, je vais regarder quand même. Et je peux pas trimballer le pic comme ça, je vais être obligé de remonter avec le télescopique, quoi. C'est violent ça. Hein. Hop. Allez, roule ma poule. Je vais laisser ça là. Je vais vendre la presse. On va aller chercher le télesco. Donc ouais, voilà. La Donne Crone, ça va prendre quelques épisodes quand même. Donc il y a déjà moyen de faire. Et c'est vrai que sinon j'étais un peu trop court. Hein. Les palettes sont pas terminées. Donc les palettes ne sont pas terminées. Enfin pas terminées. Il y en a pas autant que je voudrais. Donc du coup on peut pas attaquer les cartons tout de suite, malheureusement.
Et ouais, il y en a pour un petit moment. Donc on va tester comme ça. Étant donné que ouais, j'ai juste présenté, je me rappelle plus du tout comment il fonctionne ce truc. On va leur découvrir un petit peu ensemble parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de monde tourner avec ça d'ailleurs. Je l'ai vu quelques fois, mais pas plus souvent que ça. La Donkron, il est passé un peu au travers. Hein. Moi, j'ai juste présenté. Et après terminé, je l'ai pas revu. Enfin, je m'en suis pas resservi. Et du coup, je pense que c'est à peu près pareil pour bah, tous mes collègues, j'allais dire. Mais ouais, ou alors j'ai pas fait attention. Mais j'ai pas vu grand monde s'en servir en tout cas. Donc du coup, voilà, pourquoi je le remets un petit peu en place. Et c'est un petit peu la map propice pour le faire quand même, parce que notre ami LBDT nous a collé des plateformes où on peut poser, pardon, ce qu'on veut un petit peu partout. Donc je pense que voilà, c'est la map rêvée pour faire ça. Et ça rajoute un petit peu plus de choses sur la map, malgré bah, tout ce qu'il y a déjà et tout ce qu'il va avoir, puisqu'on va avoir les biquettes. Et ce qu'il compte rajouter encore par-dessus, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est déjà pas si mal que ça, hein. Il y a déjà du boulot. Hop, allez, roule ma poule. Vas-y, ils sont chiants les gens. Ils avancent pas avec leur auto là. Mais la circulation, c'est pareil. La circulation, en tout cas, elle est pas buggée. Mais je suis en partie solo aussi, hein. Donc en partie multi, je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, en partie solo, il y a rien qui est buggé. Tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes. À part pour le lait, mais pour le lait, ça va être corrigé dans les jours qui viennent. Puisque la prochaine version arrivera bientôt. Je sais pas quand, c'est marqué d'ici quelques jours sur le site d'LBDT, donc pour l'instant je ne sais pas. Je doublerai bien, le problème c'est que si on croise du monde, le télescopique va se bloquer. Et si le télescopique va se bloquer, enfin se bloque, il va falloir que je redescende du Tagazu. Et ça m'emmerde. Allez, oh là là là, roule à 30 là, Maurice, c'est encore pas maintenant la zone. Enfin la zone, encore pas maintenant les limitations à 80. Ah putain, je peux pas doubler. C'est encore pas maintenant les limitations à 80, mais ça va pas tarder, hein. Il en reste plus guère, il reste 2 mois. Ça fait chier, hein. Étant donné que bon, on remet pas le débat ici, mais voilà, pour en parler rapidement, on n'a pas vraiment des voitures qui sont, on va dire, équipées pour rouler à 80. Hein. Sinon, t'enlèves la cinquième de la boîte à vitesse, puisque la cinquième te servira plus à rien. Mais je doute fort que ça pollue moins, en tout cas. Après, c'est que mon avis, bien sûr, chacun pense ce qu'il veut. Je ne force personne à m'écouter. Si t'as un avis différent, bah tu penses l'avis que tu as, hein, tout simplement. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, c'est mon avis à moi. Et je suis une tête de mulet, donc quand j'ai décidé quelque chose, en général, c'est comme ça, puis pas autrement. Non, mais c'est juste histoire de dire que voilà. Je pense que ça va casser les couilles à tout le monde, c'est surtout ça. Allez, j'ai préparé ce petit champ-là que j'ai acheté. J'aurais pas dû acheter les champs en fait, j'ai acheté plein de champs parce que j'avais la thunasse. Merde, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Parce que j'avais la thunasse et au final je m'aperçois que j'aurais mieux fait d'aller me coucher et de garder tout l'argent que j'avais. Pour tout simplement pouvoir acheter la presse qui va avec le reste. Donc ce que je ferai, je la rachèterai très certainement. Hein. Je vais refaire des missions et puis on fera les plusieurs façons. Là c'est vraiment histoire de mettre en route la bécane. Là-bas, si ça fonctionne déjà parce que j'en suis pas sûr. Que ça fonctionne avec les presses d'origine. En tout cas, si ça fonctionne, on testera un coup. Vous savez, il y a une presse avec un regroupeur de bottes, de 3 bottes, et il y a les nouvelles passes à bottes qui sont avec la Donkron. Donc, on va essayer de faire ça en plusieurs étapes. Et après, bon, on a directement les granulés qui arrive dans la presse, enfin dans l'espèce de presse, j'ai envie de dire. Mais là, c'est au moins pour tester, parce que si je fais des bottes et que ça prend pas mes bottes, je vais pas m'amuser à presser le champ. Je l'ai gardé exprès pour cette vidéo-là, donc bon. Elle est où la routotte? Elle est là-bas. Donc ce qu'on fait, voilà, on teste ça rapidos et on va faire petit à petit. Hein. Aujourd'hui, on va faire un peu de pressage. Le prochain coup, il faudra ramasser les bottes. Ou alors ce que je ferai, peut-être que j'en ferai un petit peu rapidement là, tout de suite, histoire que voilà la machine se mette en route. Et une fois que ce sera fait, bah, je ferai peut-être ça hors ligne et on verra bien. On verra bien, on verra bien. Essayer de gagner 2-3 sous-sous. Ah c'est chiant! La boue! Histoire de gagner 2-3 sous-sous pour pouvoir bah, recommencer ce que je voulais faire, c'est-à-dire racheter les crônes du coup. Plutôt que de garder les bleus d'origine.
Et la plateforme, donc du coup la plateforme est là-bas. Ouais, bon, ça va, on n'en a pas pour très longtemps. On va rester ensemble pour ceci. Donc du coup, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis, bon courage pour ceux qui repartent au boulot aujourd'hui, hein, tout simplement. Enfin, ceux qui font pas le pont surtout, parce que étant donné qu'on a 2 jours fériés cette semaine, et j'y pensais plus, hein, moi je suis perdu, demain c'est férié, j'avais oublié. Oui, demain c'est férié, ouais. Alors il y en a qui vont avoir leur semaine tranquille, étant donné qu'ils vont faire les ponts. Mais il y en a, ils seront pas tranquilles, tout simplement. Allez, roule ma poule. Et l'entrée, elle est là-bas, ouais, c'est ça. Donc ouais. Après, bon courage à ceux qui vont au boulot, et puis bonnes vacances à ceux qui foutent rien, à ceux qui vont rester tranquillement chez eux à faire le pont. Allez, roule! Ou partir en vacances, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je sais plus comment ça fonctionne cette bestiole. Est-ce qu'on peut jeter directement la paille là-dedans? Je me rappelle plus et je suis un gros perdu de la vie, moi. Ça passe pas. Gérard, je me rappelle plus comment on fait. Comment ça fonctionne cette merde? Je me rappelle plus du tout. Production de l'eau, machin, on s'en bat les couilles. Toc toc toc, stock disponible. Il me semblait qu'on pouvait mettre la paille. Ah ouais, alors faut la presse exprès, c'est ça. C'est ça qu'il faut, Maurice, c'est la presse exprès. Ah, attendez, hop. C'est la presse exprès qu'il faut, je suis sûr que c'est ça. La presse avec le tapis, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Ah, j'ai pas de sous, c'est rare. J'ai pas de sous, ok. Mais par contre, une fois que c'est fait, je peux amener n'importe quelle botte dessus. Puisqu'il va falloir ce truc-là plus le tapis. Système de destruction plus celle-ci. Ok, donc ce que je peux faire, c'est que. Bah, aujourd'hui, du coup, on va presser. Ça va en faire partie. Donc au final, j'ai pas tout perdu ce que je voulais faire. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pressouiller aujourd'hui. La prochaine fois, enfin, en tout cas, la prochaine fois, je vais essayer de faire pour que ce soit demain. Demain, ce qu'on fera, c'est que. J'ai fait mon tracteur, mais il était là. Merde! Donc demain on ramassera les bottes. Et puis après on fera fonctionner la bécane. Tout simplement. Et moi entre-temps je vais taffer un peu pour récupérer la presse, la première. Donc du coup on fera le système à bottes, une fois que tout ça sera fait. Et puis je préparerai un autre champ avec de la paille et on fera le système directement en granulé. Comme ça, on aura vu un petit peu les deux choses. Et puis après, on placera le point de vente. Et le point de vente, alors je ne vais pas faire pour que ce soit facile et le placer juste à côté. Non, je ne suis pas comme ça, hein, vous me connaissez. Mais ce qu'on fera, c'est que le point de vente, je le mettrai où il y a un autre point de vente, si je peux le placer, bien sûr. Comme ça, il y aura des horaires d'ouverture et de fermeture aussi pour les palettes, tout simplement. Et oui, je ne suis pas un tricheur et vous me connaissez. Hein. Donc j'essaierai de faire comme ça, on verra. Et du coup, ça va me prendre quelques petits épisodes. Donc peut-être que je pourrais alterner entre-temps sur le carton. Je pense que demain, on va ramasser les bottes. Il y a de fortes chances. Que je réfléchisse. Après-demain, on va s'occuper des cartons. Parce que d'ici là, je pense que j'aurai suffisamment de planches. Et puis après, on rattaque dessus. Et puis une fois qu'il y aura assez de cartons, on rattaque sur les... Enfin voilà. Vous avez compris le truc. J'ai pas besoin de... Vous n'êtes pas bebeux, hein. Je vais pas vous l'expliquer. Vous l'expliquez, pardon, 15 000 fois. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent. Allez, hop. Et du coup, putain, j'ai la tête dans le fion. Je suis fatigué. Et ouais, le week-end fait dur. Hein. Enfin, fut dur, pas tant que ça, mais j'ai l'impression de plus me reposer la semaine que le week-end. Entre le toutou qui réveille et puis. Il peut qu'on dort, encore en plus j'ai torché un petit peu de Far Cry, j'ai eu du monde et tout ça, donc je me suis pas reposé beaucoup, je suis un peu fatigué. Notre papy national qui est rentré hier matin à 8 h, qui était toujours pas dormi. Il allait se coucher, il était 1 h, je crois. Oh là là. Ah, faut bien profiter de la vie, sinon, de toute façon, pour le peu que tu peux en profiter maintenant, autant le faire quand même. Sinon, ça n'a aucun intérêt. J'avais pas vu, j'avais laissé autant de paille que ça. Le champ, je le voyais moins grand en fait. Hop. Et du coup, on va peut-être pouvoir bientôt racheter un tracteur aussi. Il faudra que je me remanie le cul, hein, parce que l'usine a coûté cher quand même. C'est violent, hein. L'usine, elle a coûté super cher. Donc tout ce que j'ai fait, bah, j'ai déjà bouffé en un bâtiment.
Et puis je me suis dit, ah, si j'avais pas regardé les prix en fait, donc je me suis dit, oh, il y a peut-être assez. Et puis le but au départ c'était d'acheter ce bâtiment-là, un bâtiment pour mettre du bordel à l'abri parce que je vais laisser du matériel là-bas certainement. Et puis peut-être de me racheter le Dutz, pardon, j'arrive pas à parler, le Dutz d'Arsenic au passage. Et du coup je m'aperçois qu'en fait j'ai rien acheté du tout. Pas de presse, pas de rien du tout quoi. Violent. Violent, violent, violent. Bon, si je range c'est pas grave, hein, on s'en bat les steaks. Par contre j'ai une baisse de FPS à cet endroit-là. Curieux. Ça dépend ce que je fais en fait. Mais je commence à avoir du bordel hein, partout sur la map. J'ai le bois, j'ai fait un gros tas de bois pour être tranquille. Du coup, j'ai ramené la ponce avec le camion. J'ai juste gardé le camion grue qu'à l'autoload là. Et puis les bottes que j'ai maison, plus les vaches, plus tout le bordel. Il va falloir. Je suis bientôt prêt aussi pour faire la vente de céréales. Et ça, faudra que je m'en occupe tranquillement. Mais voilà, j'essaye de faire un petit peu d'avance, hein, parce que y a des fois c'est pas évident. C'est bien souvent que voilà, je vous tourne la vidéo le jour même, enfin, comme aujourd'hui. Bon, bah voilà, parce que j'aime pas trop tourner en avance non plus, vous me connaissez. Mais ce que je veux dire par là, c'est en général je tourne la vidéo le jour même parce que j'ai pas le choix en fait. J'ai beau bourré, 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 et j'arrive jamais à avoir une demi-journée d'avance ou une journée d'avance IRL, je parle, hein, pour pouvoir vous présenter la vidéo. Donc bah, j'arrive pile poil, je tourne la vidéo, je fais le montage, je vous la balance direct parce que bah, voilà, j'avais pas le temps de suivre. Et du coup, bah, voilà, même si je commence à me développer un petit peu, parce que je commence à avoir du matériel qui est quand même pas vilain. Bon, j'ai qu'un tracteur qui est assez puissant pour faire tourner un petit peu tout ce que j'ai, mais c'est, voilà, ça commence à être un petit peu mieux. La barre de coupe de la massée, je l'ai vendue. J'ai pris la barre de coupe de la grosse massée, donc bon, ça le fait pas trop parce que, étant donné que c'est la petite machine et la grosse barre de coupe, c'est un peu limite, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Du coup, niveau de ça, j'avance un petit peu plus vite quand même. Bah, niveau des bottes, maintenant on a la carrée basique. J'essaierai d'avoir les crônes et tout le tralala. Et puis, ouais, des chômeurs, on tourne en 13 mètres maintenant. Le SMI, on est en 9 mètres direct. Et puis voilà, ça va vite. Non, parce que j'ai quand même claqué pas mal d'heures, je crois que je dois être à 80 heures dessus. Donc j'ai quand même claqué pas mal d'heures, mais maintenant voilà, ça va être dans les moments, on va arriver dans les moments où je vais me sentir un petit peu mieux niveau argent sur le jeu, parce que voilà, je commence à avoir pas mal de parcelles, hein. J'ai tout le bas, enfin pas tout le bas de la carte, mais j'ai déjà une partie du bas de la carte, donc c'est déjà mieux que ça n'était. Et du coup, ça va être un petit peu plus plaisant, un petit peu plus reposant de travailler, on va dire. Parce que tu fais moins de tours, hein. Les champs, que tu prennes du petit matériel ou du gros, lui, il se rétrécit pas quand tu prends du petit, hein. Donc en général, t'as pas trop le choix, t'es bien obligé de faire comme ça. Et du coup, je sais pas comment je vais appeler la vidéo pour finir, parce que... est-ce que je vais l'appeler comme... Ah si, je sais ce que je vais mettre comme titre. Je vais mettre, bah, du coup, production de... Ah ça y est, je me trompe à chaque fois, d'aliments, mais c'est pas des aliments, c'est des... Merde, comment ça s'appelle? De granulés, première partie, puis on va faire en partie comme ça, parce qu'autrement on pourrait croire que ça c'est pour la ferme, les bottes que je fais, tandis que non, c'est pas du tout pour la ferme. C'est pour les granulés, tout simplement. Allez, hop. On roule ma poulette. Donc ouais, après l'émission ça va vite, hein. Je me suis entêté à prendre les gros champs. J'ai recommencé le gros champ, vous savez, celui qui est le 46 là. Je me suis entêté à le refaire aussi, celui-là. Alors qu'au final, quand tu fais des plus petits champs, bah tu gagnes moins d'argent, bien entendu, mais ça prend moins de temps, donc tu te rééquilibres un petit peu. C'est vrai que si t'as pas envie de te prendre la tête à courir un petit peu partout dans tous les champs, tu prends le gros champ et voilà, t'en as pour 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin, ça dépend le matériel qu'il te fournit dedans, mais voilà, t'en as pour peut-être 1 heure avec le plus gros matériel et puis 4 heures avec le plus petit. Tu restes dans le même champ et puis voilà, à la fin, t'as ton gros chèque de plus de 200 000 balles et t'es tranquille. Mais c'est vrai que sur les petits, comme tu changes souvent, déjà t'as moins l'impression de t'ennuyer. Et encore en plus, tu vas toucher à peu près la même chose dans le même laps de temps que t'aurais fait avec. T'aurais fait dans le gros champ, tout simplement. Donc, je sais pas, c'est quoi le mieux. Après, bon, bah, tout dépend de celui qui a la flemme de parcourir tous les champs. Il a meilleur temps de prendre le gros. Et puis, celui qui a peur de s'ennuyer sur le gros champ, bah, il a meilleur temps de prendre les petits. Chacun fait comme il le souhaite ensuite, hein. Moi, je préfère les petits parce que, bon, bah, vous me connaissez, hein, dans les gros champs, ça va bien 5 minutes, les gros champs, mais voilà quoi. Histoire de dire que.
Ça va bien une ou deux fois de temps en temps, mais je préfère les petits champs largement. Donc bah écoutez, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura déjà pas mal travaillé. C'est déjà pas si mal. C'est vrai que 20 minutes, ça passe vite, hein, je dis à chaque fois, mais ça passe très très vite. Donc bah écoutez, voilà pour cette première partie des granulés, le pressage tout simplement. Ensuite, bah, comme je l'ai dit, le prochain coup, j'essaierai d'avoir ce qu'il faut. D'avoir la presse qui peut promener les bottes là, enfin l'espèce de presse, je sais pas comment ça s'appelle. Le système de destruction, voilà, qu'on a vu tout à l'heure dans le menu. Et on ramassera les bottes, donc ce sera la seconde partie. Si on a le temps, on les passera dans la machine. Si on n'a pas le temps, on le fera dans une troisième partie, etc. Enfin voilà, vous aurez compris. Donc bah, du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous êtes à la vie dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.